On avance, comme vous pouvez le voir, on a amené pas mal de neige pour pouvoir l'étaler dès vendredi soir. Et on a la chance que la météo tourne un peu avec un petit peu de froid qui arrive. Et donc on va faire un beau tapis tout blanc. Et puis on va rajouter un peu de carboglace pour bien faire descendre la température sur la piste. Et normalement pour samedi ça va être nickel. Toutes les années on connaît... Chaque année a ses incertitudes, des fois il y a trop de neige, des fois il y en a un peu moins. Là on est entre les deux, donc c'est bien. Très beau plateau déjà sportif, puisque sur le trophée thermique, la Gorse est à 3 points de Dubourg, pardon, avec la Clio, donc le championnat va presque se jouer ici à mon avis. En électrique aussi c'est très serré. On aura une très belle édition en moto avec les pilotes de Grand Prix qui viennent rouler, de Punier, Masbou, Rossi, Louis Rossi. Et à partir de ce moment-là, l'ensemble est assez sympa. Et la cerise sur le gâteau, c'est les champions olympiques qui sont passionnés de sport mécanique qui vont venir rouler, Camille Lacour, Renaud Lavillény et Florent Manaudou, tout ça avec le Rittilman, donc sur une course-poursuite. Moi, je pense que les garçons, il va falloir qu'ils fassent gaffe, parce que le Rittilman court de temps en temps en endroit, ça va très très bien. Jean-Pierre, qui a été légèrement blessé, une jambe, n'a pas fait le trophée cette année, mais il va venir encourager son fils Olivier. Donc tout ce beau monde va se retrouver pour passer un bon moment en Auvergne, manger de la truffade, boire du rouge, et tout va bien se passer. Les accès vont être facilités. En plus, c'est toujours aussi convivial. Les paddocks sont ouverts au public. Il y aura une séance dédicace avec tous les pilotes auto, moto, les champions olympiques. Donc ça va être un bon moment. Et on a toujours cette possibilité pour les familles qui viennent avec leurs enfants, parce que c'est gratuit jusqu'à 16 ans. Donc à partir de ce moment-là, ça permet aux jeunes de découvrir le sport.